Thomas, 37 ans, a tout de l'homme idéal, mais n'a toujours pas rencontré la femme qui lui correspond. Ce soir, Thomas va dans un lieu où il pourrait bien rencontrer la femme qu'il recherche. Bon, bah là, je vais au Café de l'Amour. C'est un lieu où on parle d'amour, des rapports hommes-femmes et beaucoup de spiritualité aussi. Et j'aime bien y aller régulièrement. Le concept de cet événement hebdomadaire, c'est de réunir des célibataires pour discuter, échanger et mieux comprendre les rapports hommes-femmes. Après une petite conférence sur un thème précis, une question est lancée pour que chacun s'exprime et puisse faire connaissance. Ce soir, le sujet traité est le célibat. Thomas. Le célibat ? Qu'est-ce qu'on cherche, Quel type de femme ? Je voudrais qu'effectivement que la femme soit spirituelle, complice et dans une grande tolérance, beaucoup de respect de ce que pour garder son intégrité dans le couple et qui s'intéresse pas au fric d'un mec. Qui lit ce genre de livre, voilà, le taoïsme, c'est quelque chose qui m'intéresse absolument. Ouais. Peut-être que la femme de ta vie est à côté de toi. Peut-être. Apparemment, les deux filles à côté de Thomas se sont reconnues dans ces critères. Pour moi, l'homme, il doit être aligné. C'est clair que c'est très important pour moi que ce soit un homme qui soit accompli. J'ai envie de dire qu'il ait travaillé sur lui. Ou au moins qu'il est sur le chemin d'un développement personnel et d'une spiritualité. Les discussions fusent sur la spiritualité et leur passion commune. Quelques heures plus tard, ils sont toujours à la même table alors que tout le monde est sur le départ. Cette femme grande, jolie et spirituelle existe. Et en plus, elles sont deux à être comme lui. On est trois à une table et on est comme par hasard trois personnes à s'intéresser au développement personnel et à la spiritualité. Donc je pense que oui, au final, on se retrouve, on se reconnaît. Il suffit de s'écouter et quelques phrases suffisent à dire « Ah, on est connecté un peu aux mêmes choses ». Après, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout, mais bon, c'est vrai que ton discours, moi, il résonne en moi, le tien aussi, tu sens... Oui, on se reconnaît rapidement, c'est sûr. Ils se sont vus et se sont tout de suite reconnus. Ils repartent tous les trois pour terminer la soirée dans un autre bar. L'univers lui a enfin envoyé la femme qu'il attendait. Seul le temps nous dira avec laquelle des deux filles il compte vivre une véritable histoire.